Excellent. It's beautiful to see those pictures. C'est merveilleux de voir ces photos. And it's good to be here to see and to experience Liz Marie's dedication. Alors c'est bon d'être ici et de pouvoir expérimenter la dédicace de Liz Marie. And I want to thank all the friends and family that have come to witness this day. Alors je voudrais remercier tous les amis et tous les membres de la famille qui sont venus être des témoins pour ce jour. As a church, we do not baptize infants. En tant qu'église, nous ne baptisons pas les enfants. But we recognize the intentions of the parents to dedicate their children to the Lord. Mais nous reconnaissons l'intention des parents de dédier leurs enfants au Seigneur. The reason why we don't baptize children is because we believe that they are not old enough to decide to follow Christ. La raison pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants, c'est parce que nous pensons qu'ils ne sont pas suffisamment grands pour choisir de même de suivre Christ. But we agree that the parents can do something on behalf of the children. Mais nous croyons que les parents peuvent faire quelque chose de la part des enfants. Which is what we call baby dedication. Et c'est ce que nous appelons donc la dédicace des enfants. In scriptures, Luke chapter 2. Dans les Écritures, en Luc au chapitre 2. We read that when Jesus was 8 years old. Et nous lisons que lorsque Jésus avait 8 ans, he was brought into the temple. Il a été conduit au temple. And presented to the Lord. Et il a été présenté au Seigneur. This is what we are about to do here today. Et c'est donc ce que nous sommes sur le point de faire ici aujourd'hui. We are going to have the parents come up. Nous allons permettre aux parents d'avancer. They are going to bring Liz Marie. Et ils vont amener Liz Marie. And they are going to present her to the Lord. Et ils vont la présenter au Seigneur. And then we are going to pray. Et nous allons prier. And together we are going to dedicate her to the Lord. Et ensemble nous allons la dédier au Seigneur. Amen. Amen. So I'm going to invite my wife, Pastor Olu. Et donc je vais inviter mon épouse, le pasteur Olu. And I'm going to also invite the godparents. Et je vais aussi inviter les parents et les marraines. Who are going to represent the entire body of Christ. Qui vont représenter le corps entier de Christ. You know, when we are raising a child, lorsque nous élevons un enfant, the parents do most of the work. Mais ce sont les parents qui font la plupart du travail. But the society has a lot of work to do as well. Mais la société aussi a un rôle à jouer. The church has a lot of work to do as well. L'église aussi a un rôle important à jouer. So that's why we have got parents. C'est donc pour ça que nous avons des parents et des marraines. Yes, and they are going to support. Ils vont donc être un soutien. Amen. Amen. So I'm going to, the way we do this is, we're going to ask the parents, you can face the, please face the crowd. S'il vous plaît, regardez à la salle. The body of Christ. We're going to ask them just one question. Alors nous allons leur poser simplement une question. Because they are the one doing something today. Parce que c'est eux qui font quelque chose aujourd'hui. Liz Marie is just having a good time. Liz Marie passe seulement un bon moment. We're going to ask them one question. Nous allons donc leur poser une question. These are pastors. Ce sont les pasteurs. I know they know the answer to the question. Je sais qu'ils savent répondre aux questions. It's not going to be a difficult question to answer. Ce ne sera pas une question difficile à poser. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? The question is this. Voici la question. In front of all these people that are gathered together. Devant tous ces gens qui sont rassemblés aujourd'hui. Do you commit yourself? Est-ce que vous vous engagez vous-même? With the help of God. Avec l'aide du Seigneur. To raise Liz Marie. Pour éduquer Liz Marie. In the fear of God. Avec la crainte du Seigneur. And as much as it lies within your power. Et autant que cela dépend de vos forces, introduce her to the Lord Jesus Christ. De l'introduire au Seigneur Jésus-Christ. And help her grow in that faith. Et l'aider à grandir dans cette foi. Do you? Est-ce que vous le faites? Yes, I do. Oui, je le ferai. Very good. Good answers. De bonnes réponses. Now the entire body of Christ. Maintenant, nous allons poser la question à tout le corps de Christ. Overcomers Assembly. Overcomers Assembly. I would ask you the same question. Je vais vous poser la même question. Would you work as hard as you can? Est-ce que vous allez travailler aussi durement que vous le pouvez? Do your best. Est-ce que vous allez faire de votre mieux? To help
pour aider Jean-Yves et Rose to raise Liz Marie afin de pouvoir élever Elise Marie in the fear of God. And as soon as she's wise enough, introduce Christ to her and encourage her to live in line of that faith. Et l'encourager à vivre en accord avec cette foi. Can I get an answer, yes or no? Est-ce que je peux avoir yes. Oui. Fantastic. So now we're going to pray for this for Liz Mary. I would encourage you to please stand. Nous allons vous encourager à vous lever si vous and as we pray, join us in prayer. Et pendant que nous allons prier, s'il vous plaît, joignez-nous dans you, la prière. You will just pray, and when we say in the name of Jesus, you say Amen. Nous allons simplement prier tous ensemble, et quand on va dire au nom de Jésus, vous allez répondre Amen. And while we are praying, please pray alone. Et pendant que nous prions, s'il vous plaît, priez aussi. Ask the Lord to bless this girl. Demandez au Seigneur de bénir cette jeune fille. That she will be in good health. Afin qu'elle soit en bonne santé. That she will serve the Lord. Afin qu'elle serve le Seigneur. In the name of Jesus. We thank you, God, for Liz Marie. Nous te disons merci, Seigneur, pour Liz Marie. Giving her to us. Tu nous l'as donné. First to the parents. Premièrement aux parents. And then to the whole church family. Et pour toute la famille de l'église. How you have kept her this long. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu l'as gardé jusqu'à présent. Et ensemble, en tant qu'église, nous prions dès maintenant. Liz Marie will live a good, strong life. Que Liz Marie vive une vie bonne et forte. She will not die young. Elle ne va pas mourir dans she son will jeune âge. Live long. Mais elle va vivre longtemps. To declare the glory of God. Pour déclarer la gloire du Seigneur. Lord, we pray. Seigneur, nous prions. That everything that the parents need in her. Que tout ce dont les parents ont besoin pour l'élever. They will receive. Qu'ils puissent le recevoir. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Lord, we ask. Seigneur, nous demandons that she will not blend with the crowd. Qu'elle ne va pas se mêler à la foule. But she will stand out in her generation. Mais elle va se démarquer dans sa génération. She will be a blessing to Canada. Elle sera une bénédiction pour le Canada. She will be a blessing to Cameroon. Elle sera une bénédiction pour le Cameroun. She will be a blessing to Kenya. Elle sera une bénédiction pour le Kenya. She will be a blessing all over the world. Elle sera une bénédiction dans le monde entier. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We pray, oh God. Nous prions au just Dieu. As our parents are pastors. Que quand ses parents sont des pasteurs, she will lead many to the Lord. Elle va conduire beaucoup au Seigneur. She will understand the things of the Spirit. Elle va comprendre les choses de l'Esprit. She will serve the Lord. Elle va servir le Seigneur in the name of dans le nom de Jésus. She will be filled with joy. Elle sera remplie de joie. She will stand on the word of God. Nous nous tenons sur la parole de Dieu. Over you, Liz Marie. Et nous déclarons sur toi, Liz Marie. You will never be rushed to the hospital. Tu ne vas jamais être amené à l'hôpital. Tu vas toujours être en bonne santé. Tu auras une pensée saine dans le nom de Jésus. Je déclare que tout va bien en ce qui te concerne. Tout va bien en ce qui concerne tes parents. Tout ce qui te concerne va bien dans le nom de Jésus. Nous prions aussi, Père, que comme elle est le numéro un dans la famille, les autres qui viendront seront des leaders dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Dieu. Seigneur, nous te dédions cet enfant. Nous te demandons de l'utiliser pour ce pourquoi tu l'as façonné. Et pendant que tu le fais, dans le nom du Père, et dans le nom du Fils, et dans le nom du Saint-Esprit. Amen. Very much. God bless you. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Before we go with the along with the message. Avant que nous puissions continuer avec le message. S'il te plaît, Baptiste, si tu peux venir nous aider, on va exécuter un chant. Just to see.
it is impossible for us just to continue like that and not to share God's testimony and God giving us a bond. Alors c'est impossible pour nous de continuer comme ça sans pouvoir partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. En fait, since this baby is, was born, depuis que ce bébé est né, I think for the fact I can recall the first 3 or 4 weeks, depuis plus longtemps que je puisse me souvenir, depuis les 3 premières, 4e semaines, every single day, à chaque jour, somebody was blessing that child. Quelqu'un bénissait cet enfant. Every single day, somebody was coming to give her something. Quelqu'un venait lui offrir quelque chose. For the first month, pendant tout le premier 30 mois, days, pendant 30 every jours, single day, à somebody chaque was coming. Jour, quelqu'un venait. And actually, it's amazing because there were some. Et c'est vraiment étonnant parce qu'il y avait des jours that we would sit down at home and we say, oh, we need this. Et on s'asseyait à la maison et on se disait, oh, on a besoin de ceci. Exactly what we thought we need that the person would bring. Et c'est exactement la pensée qu'on avait que la personne apportait. The thing I would think I need for the baby, si je pensais que j'avais besoin de telle chose pour l'enfant, j'allais aller au travail et ma collègue ou mon collègue allait me donner ce dont j'avais besoin. So, giving the baby to God. Alors donnant le bébé à Dieu. Actually, my wife and I were just wondering, is it the baby dedication or is it only our own? Alors ma femme et moi on se demandait, est-ce que c'est la dédicace de notre bébé ou alors c'est la nôtre? Because we see the way God has blessed the child. Parce que nous voyons bien de la manière dont Dieu a béni cet enfant. Since the day we have said to the Lord, this child belongs to you. Depuis le jour où nous lui avons dit, Seigneur, cet enfant t'appartient. So my wife and I, we want to ride on the baby dedication. Alors nous voulons vraiment nous associer à la dédicace du bébé. We want to be dedicated again. So that the blessing that she has received, those blessings will never lack in our lives today. So I want you to sing that song in a moment like this. Et je voudrais donc que tu exécutes ce chant dans un moment comme celui-ci. In moments like this, I'll sing out a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Him. Et je remercie le Seigneur parce que ses conseils m'ont béni. I want to recognize Space Dad. Je veux reconnaître le père de C. Reverend Nathan. Le Seigneur vous bénisse.
I'm really grateful that great men of God and women of God have come here to celebrate with Pastor Jean-Yves. Je suis reconnaissant que de grands hommes et femmes de Dieu sont venus célébrer avec le pasteur Jean-Yves. When I was in Montreal, quand j'étais à Montréal, there are some pastors that lifted our hands up. Et il y a des pasteurs qui nous ont aidés à élever nos mains. They prayed with us. Et ils ont prié avec nous. We prayed together for the city. On a prié ensemble pour la ville. And God has used them to tremendously support us as a church. Dieu les a utilisés de façon importante pour nous supporter en tant qu'église. I want to recognize Pastor Tony. Je veux reconnaître le pasteur Tony qui est derrière. And Pastor Alex is right there. We will not forget all the grandparents that are here too. On ne va pas oublier définitivement tous les grands-parents qui sont là. Yes, grandma Tony right there. Yeah. I have a short message for us. J'ai un petit message pour nous. It has to do with family. Et cela a trait à la famille. The whole month of August, tout le mois d'août, as a church, we are focusing on the family. En tant que famille, on se concentre sur la famille. And I'm just going to give a brief intro to that. Je vais simplement donner une introduction brève. And for me, I believe God has a word for each one of us. Et pour moi, je pense que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Let us pray. Prions le Seigneur. Father, we ask that you will visit us this Père, nous demandons que tu nous rendes visite ce soir. You've already started with us. Tu as déjà commencé avec nous. We trust you. Nous te faisons confiance. That you knew that we will be here today. Que tu savais que nous serons ici ce soir. We trust you. Nous te faisons confiance. That you know our current challenges. Que tu connais nos défis présents. You know the state of our hearts. Tu connais l'état de nos cœurs. And you care about et the state of our hearts. Tu as soin de nous. Therefore, de ce fait, speak to us today. Parle-nous ce soir. Let every person leave here with a word. Que chaque personne quitte de ce lieu avec une parole de toi. Let everybody leave with a touch from you. Que chacun quitte d'ici avec une touche de ta présence. Let everyone leave encouraged by you. Que chacun quitte ce lieu en étant transformed by you. Transformé par toi. Empowered by you. Avec ta puissance. In the name of Jesus. The plans of the enemy will not prosper. Les plans de l'ennemi ne vont pas prospérer. Let your will alone be done. Que seule ta volonté se fasse. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Every one of us may would know. Chacun d'entre nous devrait savoir that the family unit is very crucial in any society. Que l'unité de la famille est très importante dans chaque société. If you want to destroy any society, si tu veux détruire une société, simply destroy the family. Simplement détruis la famille. Make sure that the children never grow up in good environment. Faites simplement en sorte que les enfants ne grandissent pas dans un bon environnement. And before long, et avant que vous le sachiez, that society, cette société, that community, cette communauté, will be broken down. Sera complètement détruite. I personally believe. Moi, je crois personnellement that there's an attack on the family unit. Qu'il y a une attaque sur l'unité de la famille. Many people that I meet today, plusieurs personnes que je rencontre aujourd'hui, you ask them, how is it with your family? Quand vous leur demandez comment est-ce que les choses sont avec votre famille, many have all sorts of stories to tell. Plusieurs ont plusieurs histoires à raconter. In the school of our children, dans l'école de nos enfants, it is very difficult for you to say mom and dad. C'est très facile pour toi de dire le père et la mère. Because sometimes it's the mom that will bring. C'est à certains moments c'est le another time is the dad. Moment, c'est le, then another dad. Après c'est un autre père. And another mom. Après c'est une autre mère. There is a mixture. Il y a un mélange. There's an attack on the family. Il y a une attaque sur l'unité de la famille. It is difficult today. C'est difficile aujourd'hui. To be confident. D'être confiant. That a marriage will last for 10-20 years. Qu'un mariage va durer pendant 10-20 ans. And children. Et les enfants. Are the ones that suffer. The most. Sont les personnes qui souffrent le plus. Today we have come to dedicate a baby. Aujourd'hui nous sommes venus dédier un enfant au Seigneur. And just thinking about that. Et juste en pensant à cela, it makes me understand. Cela me fait comprendre. That we must fight for the family unit. Nous devons lutter pour l'unité de la famille. Many times when I read the news. Plusieurs fois quand je regarde and I see the atrocities that people are committing. Et je vois les atrocités que les gens commettent. The first thing that crosses my mind. La première chose qui traverse mon esprit. There was one day somebody carried this one. Il y a un jour où quelqu'un a porté cette personne dans son bras. Oh, what a cute baby. Quel beau bébé. Look at the smile. Regardez le sourire. Oh, it's so cute. Oh, il est si beau. Can I take him home? Est-ce que je peux l'amener à la maison? But now, mais aujourd'hui, you don't want to even know his name. Tu ne peux même pas connaître son he nom. He has become a monster. Il
qu'il est devenu un monstre. How did that baby grow so cute? Comment est-ce que ce bébé qui était si cute? Everybody wants to take home. Que tout le monde voulait amener à la maison. Take pictures with. Que tout le monde voulait prendre des photos. Carry around. Porter partout. How did that baby become this monster? Comment est-ce que ce bébé est devenu un monstre? That is what I want us to think. C'est ça que j'aimerais sur quoi. C'est sur quoi j'aimerais qu'on se réfléchisse. This is the message that the Lord has put on my heart. Ça, c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. That it is our responsibility. Que c'est notre responsabilité. To ensure as much as it lies within our power. De nous assurer aussi autant que possible. That the family unit is strengthened. Que l'unité de la famille est fortifiée. So that the product of the family. Pour que le produit de la famille. Will be beautiful. Soit plus not monstrous. Qu'il ne soit pas destructive. Qu'il ne soit pas destructif. Hallelujah. Amen. There's a story in the book of Luke chapter 15. Il y a une histoire dans le livre de Luc chapitre 15. It talks about a man qui parle d'un homme that had two sons. Qui avait deux enfants. One son said to the father, I'm going my way. Un homme a dit à son père, je pars de mon côté. I don't want anything to do with you anymore. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Give me my portion of your inheritance. Donne-moi ma portion de mon héritage. And let me go my way. Et que j'aille de mon côté. And there was another son. Et il y avait un autre enfant. Who stayed at home. Qui est demeuré à la maison. I want to talk about the father in that story. Je voudrais parler du père dans cette histoire. Because it reminds me of something. Parce que cela me rappelle une chose. The Bible talks about that story. La Bible parle de cette histoire. That when that son went away. Que quand cet enfant-là s'est en allé. The father wanted the son to come back. C'est que le père voulait que l'enfant revienne. His desire was to see the son restored. Son désir c'était de voir l'enfant restaurer. And the moment he saw the son coming back. Et le moment où il a vu l'enfant revenir. He rose up. Il s'est levé. He embraced the son. Il a embrassé he l'enfant. Celebrated that son. Il a célébré l'enfant. He called others to celebrate. Il a appelé les autres pour célébrer l'enfant. And then the elder son. Et les autres enfants. Was offended. Le plus âgé était offensé. He says, no, you can't do this. Tu ne peux pas le faire. This is a disobedient child. Ça, c'est un enfant désobéissant. This is a lost cause. Ça, c'est une cause perdue. Why are you spending money again on him? Pourquoi est-ce que tu passes de l'argent sur lui? Tu dépenses de l'argent sur lui. I want to announce to you today. Mais je veux te dire aujourd'hui. That father represents God. Que ce père-là représente Dieu. And that wayward son represents all of us. Et que cet enfant-là représente chacun d'entre nous. And the father's heart for you and I. Et le cœur de père pour chacun d'entre nous. Is that we will be restored. C'est que nous soyons restaurés. That we will be a good family. Que nous serons une bonne famille. God is the best model of a father that you can imagine. Le Seigneur est le meilleur modèle de la famille que de père. He loves us unconditionally. Il nous aime inconditionnellement. He desires the best for us. Il désire le meilleur pour nous. You may be here today, you don't even know what tomorrow will be like. Tu peux être ici aujourd'hui et ne pas savoir ce que le demain sera. You may be here today going through all sorts of troubles. Tu peux être passer par des moments. And you may be wondering how will my life change. Et tu peux te poser la question comment est-ce que ma vie va changer. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. God Almighty, le Dieu Tout-Puissant, sees you as His child, te voit comme son enfant, and He desires you to be restored to Him. Et il voudrait que tu sois restauré, que tu reviennes à la maison. Hallelujah. Amen. You know, one time I began to think of God as my father. À un moment donné, j'ai commencé à penser à Dieu comme mon père. And it made a change in me. Et cela a fait un changement. The moment you understand God as your father, le moment où tu comprends Dieu comme ton père, you see that the all-powerful God is your father. Tu vois que le Dieu tout-puissant est ton père. He knows everything that you need. Il sait toutes choses dont tu as besoin. He sees all that you are going through. Il voit tout ce par quoi tu passes. He has even experienced some of it before. Il a même expérimenté certains de ces problèmes. Et il sait où est-ce que tu vas t'arrêter. Then what will happen is that you will begin to trust him. Alors ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à lui faire confiance. You want to hear from him. Tu veux commencer à entendre de lui. You want to know his thoughts. Tu veux connaître ses pensées. And as you know his thoughts, et pendant que tu connais ses pensées, your mind begins to move forward. Ta vie va commencer à changer. Things begin to work differently. Les choses vont commencer à passer d'être différentes. The sun begins to shine upon your life. Oh, le soleil commence à briller sur ta vie. Can I say to you tonight? Est-ce que je peux te dire ce soir? The Lord loves you. Le Seigneur t'aime. The Lord knows you. Le Seigneur te connaît. And He cares about you. Il s'inquiète de toi. Whether you care about Him or not, He still loves you. Que tu t'inquiètes de lui ou pas, il t'aime toujours. Whether you respond to Him or not, He still loves you. Que tu réponds à lui ou pas du tout, il t'aime whether toujours. Whether you know it or not, He still loves
still. Que tu le saches ou pas, il t'aime toujours. Some of us have given our hearts to him. Certains d'entre nous lui ont donné son cœur. We say yes, Lord. On a dit oui, Seigneur. I need you, Lord. J'ai besoin de toi, Seigneur. And he says, I'm here. Et il dit, je suis ici. I have instructions for J'ai des instructions pour toi. His love is what constrains him to instruct us. C'est son amour qui nous pousse en fait à lui obéir. I will read from Romans chapter 8. Je vais lire à partir de Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. I will read from verse 14. Je vais lire à partir du verset 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. God wants to lead you. Dieu veut nous diriger. He wants to hold you by the hand. Il veut nous tenir par sa main. And lead you through the difficulties of life. Et nous faire passer par les moments difficiles de la vie. He wants to show that he is God in your life. Il veut nous montrer qu'il est Dieu dans notre vie. He wants to show that he is your king. Il veut nous montrer qu'il est ton roi. He wants to show that there's no one that loves you more than him. Il veut nous montrer qu'il n'y a personne qui t'aime comme lui. That's why the word says there, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. La Bible dit comme tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les children of God. Ils sont les fils et les filles de Dieu. They are the ones that God has given the right to call him Father. C'est ceux que le Seigneur a utilisé pour les appeler Père. In John chapter 1 verse 12. Dans Jean chapitre 1 verset 12. I'll read. Let's read it together. Jean chapitre 1. Chapter 1. Vers chapitre 1. Verse 12. Verset 12. This is, but as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. If you receive him, si tu le reçois, as in if you accept that you are messed up. En d'autres termes, si tu acceptes effectivement que tu as eu des échecs dans ta vie, you cannot do it by yourself. Que tu ne peux pas y arriver par toi-même. You can never meet God's expectations. Tu ne vas jamais pouvoir rencontrer les attentes. If you accept that, si tu acceptes cela, and then you receive mercy, et que tu reçoives sa miséricorde, then he gives you the right. Alors il te donne le droit to be called his son, d'être appelé son fils ou sa fille. Now that right comes with a lot of things. Ah, maintenant ce droit-là vient avec beaucoup de choses. Comes with a lot of privileges. Il vient avec beaucoup de privilèges. Comes with a lot of God's strength backing you. Avec beaucoup de force de l'Éternel qui te supporte. And that's what I want to share with you today. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. That the love of God for us, l'amour de Dieu pour nous, is beyond what we can wrap our minds around. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. It is that same love that brought Jesus from heaven. C'est ce même amour qui a amené Jésus des cieux. To lay his life down for us. Simplement pour donner sa vie pour nous. It is that love that makes him say, come anytime. C'est cet amour qui vient dire, viens. Speak to me. Parle-moi. I will receive you. Et je vais te recevoir. It is that same love that makes him say, I will come and dwell within you. C'est ce même amour qui dit, viens, je vais venir demeurer à l'intérieur de toi. Wherever you are, pour que quel que soit l'endroit où tu es, I will be there too. Que je sois aussi. That is the love of God that we have. Et c'est ça l'amour de Dieu que nous avons. And God calls you his children. Et Dieu t'appelle. So if you are God's children, donc si tu es l'enfant de Dieu, and God is your father, et Dieu est ton père, then you have a right to say, Daddy, alors tu as le droit de lui dire, Père, I need help. J'ai besoin de l'aide. Strengthen me. Fortifie-moi. Enable me. Permets-moi d'avoir. Guide me. Guide-moi. And as you receive guidance, et pendant que tu reçois les instructions, victory comes. Alors la victoire se manifeste. Victory comes. La victoire se manifeste. When I was younger, quand j'étais jeune, I used to think that the church was the building. J'avais l'habitude de penser que l'église était la bâtisse. But as I studied scriptures, et pendant que j'ai commencé à étudier, I realized that the people are the church. Et je me suis rendu compte que les personnes, c'est l'église. Each one of us is the church of God. Chacun d'entre nous, c'est l'église not de Dieu. By yourself, pas simplement par but toi, as a group.
mais en tant que groupe. Amen. Amen. We all make up the church of God. Nous tous, nous composons le corps de Christ. Those who have been received into the kingdom. Ceux qui ont été reçus dans le royaume. Why am I saying this? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because if we have the same Father, parce que si nous avons tous le même Père, then we are brothers and sisters. Alors nous sommes frères et sœurs. Is that correct? Est-ce que c'est correct? If we have the same Father, si on a le même Père, we are brothers and sisters. On est frères et sœurs. And if we are brothers and sisters, et si nous sommes frères et sœurs, then we must love one another. Alors nous devons nous aimer les uns. We must stand with one another. Nous devons nous tenir les uns avec les autres. We must walk as brothers and sisters. Nous devons marcher comme frères et sœurs. I want to move this a little bit further today. Je veux aller un petit peu plus loin aujourd'hui. In talking about the family, en parlant de la famille, the Father has demonstrated what love looks like. Le Père a démontré à quoi ressemble l'amour. He cares for us. Il se tient de nous. He draws us in. Il nous attire vers lui. He looks at our weaknesses and says, "Come, let me help you." Il regarde à nos faiblesses et dit, "Viens, viens, je vais t'aider." I will strengthen you. Je vais te fortifier dans ce domaine. I will make it work for you. Je vais faire en sorte que les choses soient pour toi. S'il te plaît, viens simplement. Let me help you. Laisse-moi t'aider. Alléluia. Amen. I believe that's how the family of God is supposed to look. Je pense que c'est à soi que doit ressembler la famille. We are supposed to be able to stand with one another. Nous sommes supposés nous tenir les uns les autres. Help one another. Aider les uns les autres. Make each one stronger in the things of God. Faire en sorte que chacun soit fort dans les choses. And as we understand the family of God, et pendant que nous comprenons la famille, it translates to our own family. Cela se traduit en fait dans notre propre famille. The Father, le Père, looks at the children. Il regarde aux enfants. And says, "I must bring you to our Father." Il dit, je dois t'emmener à notre Père. Looks at the spouse. Il regarde à la femme. And says, "Together we must serve this God." Il dit, ensemble nous devons servir ce Dieu. They work together. Ils travaillent ensemble. To ensure, pour s'assurer, that the power of God, que la puissance de Dieu available in the home, est disponible so that the children can now grow, pour que les enfants puissent grandir, in the atmosphere of God, dans l'atmosphère de Dieu. I won't have time to talk about the nuclear family today. Je n'aurai pas le temps de parler de la famille nucléaire. What the Lord has put upon my heart to share with us, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager, is mostly about the family of God. C'est simplement à propos de la famille de Dieu. The family of God. La famille de Dieu. Our Father, notre Père. You know, before Jesus, a lot of people understood God as the God, the Creator. Vous savez, avant Jésus, les gens avaient compris Dieu comme Dieu le Créateur. But when Jesus came, mais quand Jésus arrive, He began to reveal Him as God our Father. Il a commencé à nous révéler Dieu comme Dieu notre Père. That's why in Matthew chapter 6 verse 9, c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 6, Jesus teaching the people to pray. Jésus qui est en train d'enseigner aux gens comment prier. Pray like this. Il dit, tu vas prier comme ça. Our Father. Il dit, notre Père, who is in heaven, qui est aux cieux. Our Father. Notre Père. Can you help me preach this message? Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce message? Tell somebody, dis à quelqu'un, I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. Now there are some of us that may not be the, not free to say that. Il y a des gens qui sont peut-être pas libres de le dire. But I want you to know. Je voudrais que vous sachiez that God, que Dieu, desires to take you as a child. Que Dieu désire d'avoir. Love you as a child. T'aimer comme son enfant. Care for you as a child. Prendre soin de toi comme son enfant. The same way you will love your baby. De la même façon laquelle tu es ton enfant. The same way you will do whatever it takes to protect them. La même façon laquelle tu feras tout ce qu'il faut. That's how the Father is working hard to protect us. C'est la même façon laquelle Dieu travaille fort pour nous protéger. To provide for us. Pour pouvoir pour nous. To guide. But as children, we must receive. Mais en tant qu'enfant, nous devons recevoir. Oh, I pray that you will receive this love today. Ce soir, je prie que vous receviez. And for those of us who have received it, Lord, that we continue to bask in that que love. Que nous allons continuer à demeurer dans cet amour. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. I want to show you a scripture. Je vais vous montrer un passage. In 1 John. Dans 1 Jean. 1 John chapter 1. 1 Jean chapitre 1. When you have the love of God in you, quand vous avez l'amour de Dieu en vous, you begin to sense God drawing you to do what He does. Tu commences à ressentir le Seigneur qui t'attire pour que tu fasses les choses comme il est fait. When God comes into your heart, quand Dieu vient dans you find cœur, yourself beginning to love the people of God. Tu te rends compte que tu commences à aimer naturellement les gens. You find yourself wanting to serve the people of God. Tu veux complètement servir les enfants de Dieu. You find yourself wanting to care for the people of God. Tu te rends compte que tu veux vraiment t'occuper d'eux. Because God's love in your heart, parce que l'amour de Dieu dans ton cœur, is revealed, it's expressed, est simplement exprimé. Alléluia. Amen. Verse 5 of 1 John 1 verse 5. This is the message which we have heard from him and declared to you, that God is light and in him is no darkness at all.
If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in light, as he is in light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Amen. Says, if we say we walk in the light as God is in the light, alors, si nous disons que nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, we begin to have fellowship with one another. Nous commençons à avoir en fait des relations les uns avec les autres. And even when we have sinned, et même quand nous avons péché, the blood of Jesus, le sang de Jésus, begins to cleanse us, commence à nous purifier, all that sin, de toutes ces choses que nous avons faites. It purifies us. Et nous purifie simplement. The love of God begins to make us live like Him. L'amour de Dieu nous fait commencer à vivre comme like lui, him. Marcher comme lui, operate like opérer him. Comme lui. Hallelujah. Amen. And as you are here today, ce soir, the word of God for you, la parole de is Dieu that vous, He knows what you are doing. C'est qu'il sait ce que tu he fais. Knows what you are going through. Il sait ce par quoi tu and all He asks of us et tout ce qu'il nous is to allow His love, c'est simplement de permettre à son amour, flow to us, de couler au travers de and nous, then through us, et au travers de nous. Flow to us, c'est de couler en and nous, then through us, et au travers de and nous. The fellowship begin to strengthen. Que vraiment la communion commence à nous fortifier. I must see you as my brother. Je dois te voir comme mon frère. I must see you as my sister. Je dois te voir comme ma sœur. I must stand with you. Je dois me tenir avec toi. Walk with you. Marcher avec toi. Hallelujah. Amen. There's no way a child can disown another child. C'est impossible pour un enfant de dénigrer un autre enfant. I can't say to my brother or my sister that sitting like. Je ne peux pas dire à mon frère ou à ma soeur qui est assise là. I say I disown you. You are no longer my father. À partir d'aujourd'hui, je te redis, tu n'es plus la fille de mon père. I can't say that. Je ne peux pas dire ce genre de choses là. Why? Pourquoi? Because it is only the father that has the right. C'est seulement le père qui a ce droit to bring you closer. De t'amener. Or to disown. Ou alors simplement. But today we are saying our father does not want to push us away. Mais aujourd'hui, on dit notre père ne veut pas que nous allons. Au contraire, il veut nous rapprocher. It is our sin that pushes us away. C'est nos péchés qui l'éloignent. It is our desire to be our own king that pushes us away. C'est un désir, en fait, c'est notre désir d'être notre propre roi qui l'éloigne. It is our failure to let him lead us that pushes us away. C'est notre échec de le laisser nous diriger qui l'éloigne. The Father is calling. Mais le Père appelle. The Father is speaking. Le Père parle. He's instructing us. Il donne des instructions. He's desiring us. Il désire. And I want us to open up to that desire tonight. Et j'aimerais que ce soit possible. Allow him to speak to you freely. Permets-lui de te parler. Allow him to change your life. Permets-lui de changer ta vie. Allow him to transform your future. Permets-lui de transformer ton futur. It may be true that you have messed up your past. C'est peut-être vrai que ton passé n'est pas clair. It may be true that right now you don't even know what tomorrow will be like. Peut-être maintenant tu ne sais même pas quoi ressemblera demain. There's someone who knows the end from the beginning. Mais il y a quelqu'un qui connaît la fin du commencement. And he desires to walk with us. Et il désire marcher avec nous. Alléluia. Amen. You know, as I was praying the other day, I asked the Lord, Lord, what is it that stops us from being fulfilled in life? Et pendant que je priais l'autre jour, je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas accomplis dans la vie? There are many things that he said to me. Il y a tellement de choses. But there's one thing that I'm going to share with you now. Mais il y a une chose que je vais partager avec vous. He said to me, many do not recognize. Plusieurs ne reconnaissent pas. The people that I put around them. Les gens que j'ai mis autour de to lift them up. Pour les encourager. Many do not recognize. Plusieurs ne reconnaissent the people pas. That I put around les gens them que j'ai mis autour de to lift them up. Pour les élever. We don't know that this person is our brother. Nous ne savons pas que cette this personne est notre sister. Cette personne est notre sœur. Je ne peux pas. I cannot push him away. Je ne peux pas. We don't recognize that. Pas we ça. Don't recognize that the people that he sent us to serve. On ne reconnaît pas que les gens pour lesquels il a envoyé. They are the people that he has sent to lift us up as well. Que ce sont les personnes qu'il a envoyées pour nous encourager aussi. This is the family of God. Ça c'est la famille de Dieu. As we talk about family throughout this, pendant qu'on parle de la famille tout au long de ce mois. Remember that you are already in one family. Rappelez-vous que vous êtes déjà dans une famille. Family of God. La famille de Dieu. Where each one is a brother and a sister. Où chacun d'entre nous est un frère. Where we must love that person as God loves us. Où nous devons aimer ces personnes comme Dieu nous aime. We don't have the right to push anybody away. Nous n'avons pas le droit de éloigner les gens. We must trust that God who calls them. Nous devons faire confiance à work Dieu. His work in them. Qui les a appelés peut faire son œuvre dans ces we personnes. We must prayerfully draw people in.
en priant par la prière, nous devons attirer les gens. Prayerfully strengthen them. Simplement les fortifier par la prière. Ask that God will help them. Demandez que Dieu va les aider. Alléluia. Amen. You may be wondering in your mind. Vous devez vous demander dans votre esprit. How does this help me solve the problem that I have right now? Comment est-ce que toutes ces histoires m'aident à résoudre le problème? How does this help me break away from this pain that I'm feeling in my heart? Comment cela m'aide à enlever cette douleur qu'il y a dans mon cœur? Because my family is breaking apart. Parce que ma famille est en train de se mettre en porte. I want to say to you, je veux te dire, when God begins to instruct you, quand Dieu commence à te donner des instructions, you will find solution to every challenge that you meet. Tu vas commencer à trouver des solutions à chaque défi. No matter how deep a hole you have dug for yourself, quel que soit le trou et la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, when you put your hands in the hands of the Father, quand tu mets ta main dans la main du Père, He will lift you up. Il va simplement te sortir. No matter how dark it is, quel que soit les ténèbres qui t'entourent, when God, who is light, shows up, quand Dieu qui est la lumière se manifeste, you see what you need to see. Tu vas voir ce que tu dois voir. No matter how much broken the situation is, quel que soit à quel point la situation est difficile, the Father who created all things can always put it back together. Le Père qui a créé toutes choses peut simplement remettre les choses and en place. And when He doesn't want to put it back together, He can give you another one. Et quand il veut pas remettre les choses en place, il peut te donner quelque chose d'autre. I want to remind you tonight. Je veux nous rappeler. And our Father loves every child. Que notre Père aime chaque enfant. But we pray that the child, we the children, would respond to that love. That we will receive that love. Nous allons recevoir cet amour. As you go away from this place tonight, I want you to open up your heart. J'aimerais que vous ouvriez vos cœurs. And say to the Lord, et que vous disiez aussi, I realize that you love me more than I can ever imagine. Je viens de réaliser que tu m'aimes plus que je ne pouvais jamais. When you understand the love of God, quand tu comprends l'amour, there will be no fear. Il n'y aura plus de peur. What would you be afraid of? De quoi as-tu peur? When you love God, quand tu aimes Dieu, there's no anxiety. Il n'y a plus d'anxiété. What would you be anxious about? De quoi seras-tu anxieux? You already have the one who knows the end from the beginning. Tu es déjà avec toi celui qui connaît la fin du commencement. When you understand the love of God, quand tu comprends l'amour de Dieu, there will be joy in your heart. Il y aura la joie dans ton cœur. Even when things happen that are negative, même les choses qui arrivent, you will find that deeper than the initial pain that you have. Tu vas voir que elles seront plus deeper than the initial pain that you plus have. Profonde que la peine initiale que there's a joy that is down there. Il y a une joie plus profonde qui se trouve. Hallelujah. Amen. Oh wow, I wish you can understand how much God loves you. Oh, je prie simplement que vous puissiez comprendre à quel point. Oh, I pray that there will be a revelation of His love upon each one of us here again today. Qu'il y a encore une révélation de l'amour de Dieu dans ce lieu. That you will see that He cares about the very details of your life. Tu saches qu'il s'inquiète vraiment au début. And that even when you are very nonchalant about him, et que même quand tu es nonchalant à propos de lui, he still knows you, qui te connaît toujours, and he still tries to draw you, et qui essaie toujours de t'attirer vers lui. Hallelujah. Amen. We will not forget the way Genesis started. On doit pas oublier comment Genèse a commencé. It says that the world was with nothing. La Bible dit que la terre était en fait sans forme. God created all things. Que Dieu a créé toutes choses. And before long, we see that there was a serpent. Et avant qu'on le voit, on voit qu'il y avait un serpent. As much as we say God loves you, aussi longtemps qu'on puisse dire que Dieu t'aime, the story will not be complete if we don't say about the fact that the enemy hates you. L'histoire ne serait pas complète si on ne dit pas qu'il y a un ennemi qui te hait. There is a force, there's a spirit, there's a power. Il y a une force, il y a un esprit, il y a une puissance. That is against the progress of anyone. Qui est contre le progrès de chaque être humain. That is made up his mind that I will destroy every single creature. Qui a décidé que je vais détruire chaque créature de Dieu. God. Et Dieu has made up his mind that if we will release ourselves into his hands, a décidé aussi que si simplement nous abandonnons entre ses mains, he will give us victory after victory after victory. Il va commencer à nous donner victoire après victoire après victoire. Alléluia. Amen. You have the potential to live continuously in victory. Tu as le potentiel de vivre continuellement dans la victoire. Continuously in victory. Continuellement dans la victoire. Continuously. Continuellement. And no matter what difficulty shows up, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter, he shows you a way out. Ils vont vous montrer le chemin. He brings solution after solution. Il va amener solution après solution après solution. Amen. Amen. We'll go to the Lord in prayer. On va aller au Seigneur en prière. I don't know what your situation is, but God knows. Quelle est ta situation, mais Dieu sait. God knows. Dieu sait. You may be in a situation where you are happy.
Tu peux être dans une situation où tu es heureux. I'm really grateful. Je suis reconnaissant. The Lord knows that. Le Seigneur la connaît. And I want you to pray. Donc je veux que tu pries. Thank you for your love. Merci pour ton amour. I release myself to that love. Je me relâche et je m'abandonne. If you are in a difficult place right now, et si tu es dans un lieu difficile, things are really rough. Que les choses sont vraiment difficiles. On the outside, you look like you are composed. À l'extérieur, on a l'impression que tu es correct. When you get to work, you look as if you are doing well. Quand tu arrives au travail, on a l'impression que tu vas bien. But you know yourself. Mais toi, tu te connais. That when you are behind closed doors, que quand tu es derrière les portes, everything is crumbling. Tout est complètement détruit. I tell you today, je veux te dire ce soir, God knows, Dieu sait, and He loves you, et il t'aime, and He wants to make a difference. Et il veut faire une différence. You may be saying, where was God all this time? Tu peux dire, où était Dieu pendant tout ce temps? That's the wrong question you are asking. Ça, c'est la mauvaise question. What you should be saying is, oh God, la question que tu I'm sorry that I ignored you all this time. Je suis, je regrette and que from j'ai today, à I recognize you. Je reconnais que tu es and là. I leave it in your hand. Et je te laisse ces problèmes entre oh, mains. You may be in a situation. Tu peux être dans une situation where everything seems to be just at a standstill. Que tout semble être stagnant. There's no progress. Il n'y a aucun progrès. You've been in this situation for so long. Tu étais dans cette situation pendant tellement longtemps. I want to say to you. Je veux te dire. The Lord is with you in that situation. Le Seigneur est avec toi dans cette and situation. And is working something out for et you. Il est en train de trouver un chemin. You just receive that love of the Father. Tu reçois cette today we are talking about the family of aujourd'hui, God. On parle de la famille de Dieu. The Father loves le each one. Père aime chacun d'entre whether you are a wayward child, que tu es un enfant qui or the son that has been obedient, ou l'enfant qui était obéissant. The love is the same. L'amour est le même. But when you leave His presence, et quand tu quittes sa présence, you also leave the benefits. Tu quittes aussi les bénéfices. I would encourage you. Oh, je vais t'encourager. You have never received Jesus as your Lord. Tu n'as jamais reçu Jésus comme you don't Seigneur. Even understand. Tu ne comprends même pas. How what Jesus did on the cross thousands of years ago. Que Jésus a fait sur la croix il y a des milliers d'années. Can make a difference. Et que ça a fait une différence. I want to say to you. Je veux te dire. The sin nature. La nature pécheresse. That which makes us to want to do what God does not want. Qui nous fait faire ce que Dieu ne veut pas nous faire. Can only be taken care of on the cross. Peut simplement être pris en compte. But when you receive what God has for you, mais quand tu reçois ce que Dieu a pour toi, He will change you from the inside. Il va te changer de l'intérieur. He will change your nature. Il va changer ta nature. And He will strengthen you from within. Il va te fortifier. Love will become your nature. L'amour sera ta nature. Oh, you will partake of the nature of God. Tu auras la nature de Dieu. You will love like God. Tu vas aimer comme Dieu. And you will hear Him more clearly. Et tu vas l'entendre de façon claire. Walk in victory after victory. Et tu vas marcher dans la victoire. Can you pray tonight? Est-ce que tu peux prier? And say, Father, et dis, Père, I need you. J'ai besoin de toi. Father, Père, I love you. Je t'aime. To call Him Father. Pour l'appeler Père. That's such a blessing. C'est une bénédiction. Father, Père, I need you. J'ai besoin de toi. Thank you, Father. Merci, Père. I don't know. If there's anyone here who wants to surrender their lives to Him, I will simply ask you to put in, write down on the card that is with you there. If you don't have card, if you don't have one, si tu n'as pas la carte, ushers are all around. They will give everyone a card. You want to write all the cards, and I encourage you to just write down. Je veux savoir que tu écrives. What you are doing with God today. Ce que tu fais avec Dieu. As you make a decision, pendant que tu prends une décision, whatever that decision is, que ce soit, it may be, oh Lord, I thank you for your love. Oh, ça peut être simplement, je te it may be, oh Lord, I need you. Ça peut être, Seigneur, je it may be, oh God, please help me. Ça peut être, Seigneur, s'il te plaît, whatever it is, put it down. Quel que soit ce que c'est, the pastors will pray with you. Les pasteurs vont prier avec we'll vous. Pray on the cross. On va prier sur ces we will stand with you. On va se tenir as you vous. Initiate this journey. Pendant que vous commencez ce voyage. Hallelujah. Amen. But I sense in my spirit. Mais je ressens dans mon cœur. There are some people here today. Il y a des gens ici dans ce lieu. They still need. Just a flowing of God's love. En fait, ils ont simplement besoin d'un flot de l'amour de Dieu. You feel alone. Tu te sens seul. You feel disconnected. Tu te sens déconnecté. It's actually somebody who really you love God. Il y a vraiment quelqu'un au passé. Somehow you feel disconnected. Mais quelque part intérieur, toi, tu te sens déconnecté. I'm going to pray with you right now. Avec toi maintenant. And you will suddenly begin to feel the strength of God. Immédiatement ressentir la force de Dieu et l'amour de Dieu en toi. If you are that person, I encourage you. Si tu es cette personne, je t'encourage. Put your hands on your chest. Mets ta main sur ta poitrine.
and we will pray together. Et quand on va prier, I want to pray for everyone here. Je veux prier pour chacun. If you need a touch from God, si tu as besoin de He wants God to visit you again. Tu veux que Dieu te He just wants to enjoy His love once more. En fait, tu vas encore apprécier son amour. Put your hands on your chest. Je te demande simplement de mettre ta main sur ta poitrine. The Holy Spirit will visit you. Le Saint-Esprit va te rendre visite. Yes, Lord. Oui, Seigneur Jésus. Thank you. Merci. For reminding us de nous avoir rappelé that you love us. Que tu nous aimes. We started this service being reminded of your love. On a commencé ce service en étant rappelé. And today we have looked at the scripture. Et aujourd'hui on a regardé au passage that talks about your love. Qui parle de ton amour. Talks about your life. Qui parle de ta lumière. Talks about our cleansing. Qui parle de notre purification. Lord, I pray, Seigneur, je prie, that you will release that love upon us again. Que tu vas relâcher cet amour sur nous. That as each one of us understands and yields to your love, que chaque personne qui comprend et qui se soumet à ton amour, we will experience the love in our spirits. Que nous allons expérimenter cet amour. We will experience the love in our hearts. On va expérimenter cet amour. We will experience the love in our lives. On va expérimenter cet amour dans nos vies. In the name of Jesus. Father, I pray for that person. Je prie avec cette who loves you, qui t'aime, but somehow they are disconnected. Mais quelque part ils sont déconnectés. Father, that there should be a restoration, right? Seigneur, qu'il y ait restauration. That there shall be repentance. Qu'il y ait repentance. There will be restoration, restauration. And there will be just love. Yes, everyone. Coming right down from the depths of your spirit. Et bien simplement des plus profonds, des profondeurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray for those who are surrendering to you right now. Pour ceux qui se soumettent à toi. Especially that person that has gone astray. En particulier cette personne qui s'est éloignée. They were raised in you. They were raised in the knowledge of you. Ah, ils ont été élevés dans la connaissance de ta personne. Gone astray. Mais se sont éloignés de toi. Wandered away. Et se sont perdus. As they come back, pendant qu'ils reviennent. Father, I pray for fresh oil. Père, je prie pour une fresh grace. Grâce fraîche. In the name of Jesus Christ. I also want to pray for those who are having trouble in their home. Je voudrais aussi prier pour ceux qui ont des dans la maison. There's trouble in the family. Troubles dans la famille. Father, I pray for them. Je prie pour eux. That there shall be a change right now. Qu'il y ait un changement dès maintenant. That there will be repentance. Qu'il y ait la repentance. There will be listening to the Holy Spirit. Il y aura une écoute de la voix. There will be obedience. Il y aura une obéissance. There will be a change. Il y aura un changement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Father, for the one who doesn't have a clear picture of the tomorrow. Seigneur, pour celui qui n'a pas une idée claire du lendemain. The one who is hopeless. Celui qui est sans espoir. Every night I wonder what will tomorrow be like. Chaque nuit, se demande à quoi ressemble. I pray that hope will be restored. Je prie que l'espoir soit restauré. Hope will be restored. L'espoir soit restauré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. We thank you so merci, much, Seigneur Jésus. That you love us. Que tu nous aimes. So much that you will not leave us the way we are. Tellement que tu ne vas pas nous laisser la face à la vie. May this message born in our hearts. Que ce message pour nous. May it trigger the right action. Oh, que cela incite les bonnes actions. May it draw us to our knees. Que cela nous attire vers nos genoux. May it make us become more and more obedient. Que nous soyons encore plus obéissants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus que j'ai. Thank you, Father. Merci, Père. Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Yes. So,